Classée au monument historique, la ville close est un joyau ancré au cœur de Concarneau. Cette ancienne place forte se dresse sur un îlot relié au continent par un pont et baigne ses imposants remparts dans les eaux calmes des ports de pêche et de plaisance. Situé en fond de baie, le port de Concarneau se trouve donc abrité de la houle et des vents dominants. Le nom de Concarneau vient du breton conque kern. Conque signifie une anse ou une baie. Kern est le nom en breton de l'ancien diocèse de Cornouailles qui a été supprimé à la Révolution et comprenait tout le sud-ouest de la Bretagne. Comme toute ville de l'époque médiévale, Concarneau fut entourée de fortifications. D'après les découvertes archéologiques, elle daterait du XIIIe siècle. Ces remparts, d'environ 1 km de circonférence, font de 2,50 m à 3 m de large, protégés par 9 tours et percés de 3 portes. La ville close abrite les plus anciennes habitations de la cité. Les maisons de granit côtoient des maisons à pans de bois et des vestiges, comme la porte au vin, par où transitaient les marchandises et notamment les vins d'Aquitaine, du port vers cette entrée de la ville, d'où son nom de la porte au vin, qui a donné son essor au port, qui est juste derrière. Tous les ans, 1 500 000 visiteurs déambulent au cœur des remparts, parsemés de nombreux commerces, restaurants et artisans, et où vivent à l'année moins d'une centaine d'habitants. La ville close, la plus célèbre de France et l'un des plus beaux ports de l'Hexagone, fait la fierté de la Cornouaille et de ses habitants. Une ville tournée vers la mer, à l'image des oiseaux attendant le retour des pêcheurs.